Je suis incarcéré à la maison d'arrêt depuis le 3 septembre 2020. Quand je suis arrivé, terriblement angoissé, stressé, puis on se pose toujours la question pourquoi on est là. Et surtout, on se pose la question pourquoi Dieu nous a laissé venir là. Virginie Toulouse and Laurent Burguière were called to serve as chaplains at the prison of Caen in the northwest of France. For 5 years they were part of the chaplaincy and met to pray, share and prepare the mission together. La mission de l'aumônier, c'est d'assurer le suivi spirituel, l'assistance spirituelle des personnes détenues. Et d'assurer le culte. Et donc, dans les prisons, il y a, dans toutes les prisons de France, il y a des équipes d'aumônerie ou des aumôniers qui sont là pour représenter toutes les religions. Et puis, pour les chrétiens, il y a des aumôniers orthodoxes, protestants et catholiques. Alors, on intervient plusieurs fois par semaine, à la fois pour des visites en cellule. Alors là, ils sont plusieurs en cellule, donc c'est pas très confidentiel, c'est une relation plutôt amicale avec les personnes qui fréquentent l'aumônerie. On peut aussi les rencontrer en entretien individuel. Donc là, c'est beaucoup plus spirituel et plus intérieur dans l'échange. Et puis on les rencontre une fois par semaine en groupe et le dimanche pour la messe. Quand on a démarré il y a 5 ans, on a commencé par faire un groupe biblique, mais en fait il y avait un abîme d'incompréhension parce que la Bible n'était pas quelque chose, aucune culture biblique, aucune culture religieuse. How do you run the pastoral care in prison? How can you touch the hearts of those who thirst for the presence of God? Laurent and Virginie turned to the Alpha team to find a way of accompanying prisoners in their faith. They started an Alpha in Prison course, which provides an opportunity to address questions about the meaning of life and to discover how the Christian faith can liberate them internally in their everyday life. Au début, le parcours Alpha s'est développé plus dans les paroisses et plus dans les aumôneries étudiantes et puis de lycéennes. Et puis ensuite, est venue en fait l'idée de le faire dans les prisons avec un terreau relativement fertile et normal, puisque beaucoup de détenus arrivent et se posent des questions existentielles. Et les aumôniers de prison, en fait, ont besoin à chaque fois d'avoir un outil stable, réplicable, qui permette de découvrir la foi chrétienne, peut-être pour la première fois, et aussi de faire communauté, puisque ça, c'est un petit peu le génie du parcours Alpha aussi, de semaine après semaine, de cheminer, et puis en fait, les participants, les invités, on ne sait plus qui d'ailleurs est invité d'organisateur à la fin du parcours, sont comme une famille. The Roman Centre of Caen is one of the first prisons in France to have had the Alpha course. Alpha opens a way of learning about the love of God, meeting Jesus and experiencing the power of the Holy Spirit. La parole se libère, ils sont d'abord spectateurs et puis ensuite ils sont participants et puis après ils sont acteurs. Et ça c'est une des belles joies qu'on a reçues en faisant le parcours Alpha au sein de l'aumônerie. Voilà, et à la fois la parole se libère et à la fois elle est extrêmement pudique parce que la parole qui vient des tripes en prison, c'est vraiment compliqué parce que quelqu'un qui va partager quelque chose d'important, il n'a pas très envie d'entendre répéter ce qu'il a dit.
Guenaël Cormier, 32, comes from a working-class family. He grew up in the small town of Orbec, 1 hour away from Caen. When he was 13, his parents divorced and he found himself with his father before being placed in a foster home. A year later, he decided to live in independent accommodation. Les soirées où j'arrivais à rentrer chez moi étaient des soirées qui se terminaient bien pour moi. Il y avait des soirées également, c'est qu'on pouvait se faire emmener par la police si on se retrouvait dans des bagarres. Ouais, c'est ça, il y a eu des bagarres. Oui, il y a eu beaucoup de bagarres. Ouais, ouais. Et quand tu faisais une bagarre, tu faisais arrêter, tu finissais. Je finissais en garde à vue. Je ressortais de garde à vue avec une convocation au tribunal. Rendez-vous, je n'allais pas, donc j'accumulais des peines. Ma première incarcération, quand j'avais 20 ans, à l'époque, j'étais recherché par la police depuis 8 mois, mais j'en avais vraiment pas connaissance. C'est arrivé très rapidement, je ne m'attendais pas qu'une chose comme ça pouvait m'arriver. Et en fait, c'est simplement les conséquences de mes actes. Très rapidement, en fait, donc livré à moi-même, j'ai pas fait de grandes études, je gagne pas des salaires mirobolants, mais je souhaite vraiment pouvoir m'offrir tout ce que j'ai, tout ce que je veux en fait. Je souhaite briller auprès des autres. Pour moi, l'argent, c'est un signe de liberté et de réussite. Donc, je commets des délits pour obtenir de l'argent. After a few months of prison, Guenaël was released by the judges. He found himself alone with his own limitations. He went back to a life of crime and would be out of prison for no more than 2 to 8 months at most. Again, he found himself in prison on a number of occasions. For 10 years, he was in and out of prison. Il s'est mis à faire des bêtises. J'étais obligée de le mettre dehors parce que il arrêtait pas. Et là, il a fait sa première incarcération. Nous avons été coupés. Pour moi, j'avais loupé quelque chose. Donc, ça aurait pas dû se passer. Je ne suis jamais allée le voir. J'avais toujours dit que je n'irais jamais le voir. La première fois, je ne lui ai pas écrit. C'est quelqu'un qui m'a appelé pour me demander de lui écrire. Je lui ai écrit parce qu'on m'a demandé. Je n'avais pas envie. C'est que la troisième fois qu'on a communiqué un peu. Mais pour moi, c'était... j'y arrivais pas. Le fait que Guenaël fasse plusieurs allers-retours en maison d'arrêt m'a généré différentes émotions. Dans un premier temps, j'étais triste, pleine de doutes. Je comprenais pas comment il pouvait en arriver là. Et après, c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y retournait assez régulièrement, j'avais un petit peu lâché prise et je pensais qu'il changerait pas. Ce qui m'a décidé de changer avant tout, c'est peut-être le fait de mûrir, le fait que j'avais fait le tour de ce que la détention pouvait m'offrir, si on peut dire. Et je me souviens que sur une peine précédente, je m'étais mis à lire une Bible que j'avais trouvée qui traînait derrière une télé, dans une cellule, et je m'étais mis à lire ça. Mais au début, c'était une recherche vraiment des aventures historiques, de l'exode, de tout ça. C'était vrai, je disais ça comme un livre. Il n'y avait pas de recherche. Et du coup, sur cette dernière peine, j'ai écrit aux aumôniers pour avoir un livre pour continuer les aventures. Once a week, Guenaël met with Virginie in the parlor to share what he was experiencing in his interior life and what he was discovering in the Word of God. J'avais plus besoin de trouver des réponses à des questions qui pour moi pouvaient me paraître importantes. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Pourquoi je connais telle personne et que je suis pas là? Pourquoi mon ami d'enfance a ça et pourquoi moi j'ai ça? Les questions disparaissaient et j'avais plus besoin de cette réponse pour avancer, voilà. Douce neige en silence, doux feu du froid qui danse, les maisons minuscules brûlent dans le blanc, puis la nuit s'illumine. Et les
branches s'inclinent sur la pointe des pieds. Elle a fait son entrée. Ta grâce. J'avais cette solitude que j'avais, qui avait totalement disparu. Comme si que quelqu'un, vraiment, il y avait une présence avec moi. J'étais pas seul. Et j'ai débuté un parcours alpha. Et en fait, tout ça, ça a continué à alimenter en fait cette foi qui pour moi grandissait, parce que vraiment, je me sentais changé. Un détenu qui me regardait mal à l'époque, il fallait que j'aille le voir pour qu'il arrête. Là, en fait, les pensées étaient différentes. Ça continue à me gêner, bien entendu. Mais dans le regard de la personne, je ne sentais plus une rivalité. Je sentais quelque chose de... Il me regarde. Moi, je crois que j'ai découvert que Jésus était là. Que j'apportais pas Jésus, mais que Jésus était vraiment là. Et que j'avais juste à aider à lever le voile pour que les personnes découvrent ce trésor qu'ils ont en eux. Et c'est vraiment notre objectif. C'est qu'en fait, ils sentent tout cet amour de Dieu pour eux et qu'ils entendent cette parole. En toi, j'ai mis tout mon amour. After a few years of imprisonment, the courts freed Gwenaël, but of course he no longer had a home or a job to go to. He planned to join a centre for homeless people, but the chaplains of the Remand Centre suggested that he could contact the community of missionary brothers of Sainte-Thérèse. Gwenaël met Brother Jean-Pierre, the leader of this community, for an interview. He was welcomed into this big family and found himself in a religious setting with a daily life composed of prayer, work and brotherly love. Cette découverte de Gwenaël, elle s'est faite tranquillement, je crois. Enfin, avec moi, c'est quelqu'un qui s'est vite confié, puis que j'ai senti vrai dans ce qu'il pouvait vivre. Ce qui a pu être difficile à certains moments, c'est que Gwenaël n'avait pas forcément toujours conscience qu'il lui fallait rompre avec peut-être ses chaînes d'autrefois, enfin voilà, et que au fond ça a fait partie d'un processus de liberté qu'il a vécu, donc avec des hauts et des bas, mais qui progressait quand même. Et ce que j'ai beaucoup apprécié avec lui, c'est la justesse de cette écoute de la parole de Dieu dans sa vie. Ce qu'il exprimait à chaque fois, c'était, enfin moi, ça me paraissait profondément juste. Et ce n'était pas du tout un peu éthéré, non, c'était vraiment ancré dans son histoire et dans son aujourd'hui. Et j'ai senti un peu vraiment une progression de sa vie spirituelle à travers ces petits partages. Et puis, ça l'a conduit, je crois, aussi à un petit chemin d'humilité, au sens qu'au départ, voilà, il était sûr de ce qu'il faisait, etc. Et puis, il avait peut-être une petite tendance à vouloir encore... paraître comme quelqu'un d'important, quoi, et donc de le faire sentir. Et puis, au fur et à mesure qu'il a avancé dans cet itinéraire spirituel, j'ai senti une sorte de descente dans l'humilité, d'avoir moins besoin d'exprimer des choses par son extérieur, ou par la multiplicité des habits ou des chaussures. Enfin, voilà. Même avec tout l'amour du Seigneur, avec tous les proches, tous ces nouveaux proches que j'avais autour de moi, je ne pouvais pas changer du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Ce cheminement doit se faire progressif. Il faut limiter la casse. Il faut limiter la casse. Each day we have to decide whether to be good Samaritans or indifferent bystanders, says Pope Francis in the encyclical Fratelli Tutti. The Chaminef fraternity is one of the places where Gwenaël continues to grow in faith with other young people. They meet each month to talk about their lives, to pray, and sometimes to enjoy some leisure activities. Virginie nous avait interpellé en disant, bah voilà, faut qu'il arrive comme un frère parmi d'autres, sans être étiqueté, pour être pleinement libre d'avoir une prise de parole personnelle.
Et en même temps, ça nous demande à nous d'être très bienveillants et attentifs sur son intégration au sein de cette frate. Et puis ça demande un engagement, j'irai un engagement humain, puisqu'à partir du humain et fraternel, puisqu'à partir du moment où on tend la main, on ne peut plus trop se permettre de la retirer. Quand on s'engage plein et tout entier, on se mouille jusqu'au cou. C'est vrai qu'au début, il était plutôt discret, il avait du mal à parler. Moi, ça m'interpellait en me disant, ça se trouve, il n'est pas à sa juste place, il a du mal à se positionner. Comment être en fraternité, comment être frères les uns avec les autres et les uns pour les autres. Et je dirais, pour moi, c'était l'occasion de le mettre en pratique, véritablement, et d'en prendre conscience. Ça m'interroge beaucoup sur notre capacité de rester ouvert sur le monde. Quand j'étais étudiant, j'étais pas mal interpellé par la parole du pape François qui disait qu'il fallait aller aux frontières. Having worked as a boilermaker for a while, Gwenaël looked for a similar type of job, but he couldn't do it for long because he didn't enjoy it and felt out of place. Lacking motivation and not productive enough, he got sacked every time. He asked a few friends in the parish to find him a different type of job. A week later, he was hired to take care of a disabled person. Monsieur Manu, comment ça va? Ça a été la matinée? T'as bien mangé ce midi? Bon, il fait un petit peu froid dehors, mais je t'aurais bien proposé d'aller faire un petit tour. Qu'est-ce que t'en penses? Petit tour à l'hippodrome? Ok. Je pense vraiment que le Seigneur m'a fait cette grâce de la charité. J'adore aider en fait les gens dans le besoin. Bonjour, je m'appelle Emmanuel, j'ai 36 ans. Gwenaël et trois autres personnes m'aident quotidiennement dans mes besoins les plus essentiels, mais aussi dans mes tâches administratives, mes loisirs. Ils m'apportent au quotidien une aide précieuse. Bien plus tard, j'ai appris le passé de Gwenaël, mais cela n'a pas changé mon regard au quotidien sur lui. Lors du recrutement, j'ai fait confiance à Xavier et Virginie qui m'ont présenté Gwenaël. Si j'avais su son passé, son aurait probablement inquiété mon entourage. Donc j'ai rencontré Aminata quelques mois après ma sortie de détention, à cette époque où j'étais fragile, où je commettais encore des délits. Et elle a été vraiment d'un grand, grand soutien pour moi. Donc je ne savais pas qu'il avait été en prison. Il me l'a appris, pas tout de suite, mais assez rapidement dans notre relation. Voilà, je l'ai accepté comme il était. Dans son entièreté. Mais il m'a dit très rapidement qu'il était en communauté, qu'il habitait dans une communauté avec des frères. Et il parlait beaucoup en fait du fait d'aller à la messe, d'être dans une frate avec des jeunes pros. Du coup, le fait de savoir qu'il avait aussi cet entourage, cet environnement autour de lui, moi, ça m'a énormément rassurée. Ça m'a énormément rassurée par rapport à son parcours. Enfin voilà, il a fait de la prison, maintenant il veut passer à autre chose dans sa vie, enfin, il le verbalisait très clairement et il ne l'a pas mis en place tout de suite parce qu'il est encore tenté par son ancienne vie en fait, ses anciennes habitudes. Et puis on sentait qu'il était un peu tiraillé en fait par ces deux mondes, le monde qu'il a toujours connu, et le monde qu'il découvrait, qui était bienveillant, qui était cette espèce de petit cocon là, qui l'accueille de manière inconditionnelle. Enfin, il était un peu en mode grand écart, quoi. Ça n'a pas été simple pour elle tout le temps, parce que je continuais en fait mes délits tout en étant avec elle. Enfin, mes délits ou disons mes comportements de fêtard en fait. Moi, j'ai pu rencontrer Virginie. J'ai pu échanger aussi avec frère Jean-Pierre.
sur le fait ah non mais Gwenaël là ça va pas quoi, il fait n'importe quoi, vous êtes d'accord? Oui, on est tous d'accord, il fait n'importe quoi, ça va pas, enfin... Par rapport au dérapage que pouvait vivre Gwenaël, d'une part je ne m'en étonnais pas trop parce que je sais bien que les choses ne se changent pas du jour au lendemain. J'hésitais pas trop à pouvoir dire attends, là, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Prends conscience que ce que tu es en train de faire, tu te remets dans un système qui va peut-être te détruire et non pas te construire. Mais c'est marrant, j'ai jamais désespéré de lui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je pense qu'il y avait chez lui une honnêteté, une vérité qui faisait que quand on est dans cette attitude-là, voilà, l'esprit de vérité fait son chemin et fait vivre. C'était un soir, enfin une nuit, où il m'a appelé à 1h, 1h30 du matin en me disant bah voilà, je suis dans une mauvaise posture, j'ai besoin d'un coup de main, est-ce que tu peux venir me chercher? C'était un petit peu compliqué, il a fallu s'exfiltrer d'une relation. Une relation un peu complexe de bagarre, en fait. Et du coup, ça oblige à puiser un peu plus dans la relation, d'être un peu plus en vérité. Et encore une fois, de ne pas être dans le jugement, mais juste dans l'accueil de l'autre. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux aussi sur les besoins de Gwenaël à ce moment-là, dans sa vie, sur les difficultés, sur le fait que c'est pas parce qu'on rencontre le Christ en prison et qu'on sort libre que tout est gagné, que tout est facile, qu'il n'y a plus de combat. Il y a encore du combat. Oui, ça nous arrive hein, d'être déçus. Et ce n'est pas un sentiment que j'aime éprouver. Et je me bats un peu avec ce sentiment de déception. Parce que qui suis-je hein, pour être déçu? Et puis à la fois, moi je sais, hein, Bonhoeffer le dit, hein, il faut être déçu par les autres pour vraiment les aimer, pour éprouver vraiment notre amour pour eux. Grâce, milliers de fleurs fondues de blanches flammes, mille touches d'amour dans l'âme, déchire enfin le voile, que je vois ton visage. Grâce, grâce d'un roi qui se tient caché là, grâce de toi qui me tends les bras. Oh, que je vois ton visage. Et petit à petit, en fait, avec cette personne, donc Aminata, je me suis dit, mais elle reste là. Non, mais Je continue à casser des voitures, à rouler sans permis, j'ai rien à lui apporter en fait. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait avec moi? Elle a 2 enfants. Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Et ça m'a interpellé. Et donc j'ai pris la décision de ne plus fréquenter le milieu de la nuit, qui a toujours été la chose qui m'a tiré vers le bas. Moi, je suis très habitée par cette parole d'Eti Hilsum qui dit que la saloperie des autres est aussi en nous. Et moi, j'ajoute toujours, mais la beauté aussi. Et la beauté des autres est aussi en moi. Gwenaël est quelqu'un de croyant. Donc, sa foi est très présente chez lui. Il est très pratiquant en fait. Du coup, il y a quelque chose qu'il habite en fait intérieurement et il le pratique tous les jours quoi. Moi, j'ai pas adhéré forcément à une pratique religieuse, mais je trouve ça chouette en fait qu'il y ait des gens qui aient la foi et qui sont heureux comme ça et qui trouvent de l'espoir comme ça, pour qui la vie fait un sens et tout. Enfin, il m'a expliqué que des fois je pouvais lui mettre des petits papiers pour qu'il fasse une prière et tout. Donc des fois quand j'ai des demandes particulières, je pose ça sur son petit lieu de prière et tout. Donc moi je trouve que c'est quelque chose en plus. Ouais. En fait, il a une excuse ou une obligation
pour avoir toujours son cœur ouvert. Voilà, on peut être chez soi et pouvoir ouvrir ses fenêtres, voir les petits oiseaux, l'herbe, les arbres, aller et venir, et être profondément enchaîné, emprisonné en soi. Et on peut être derrière les barreaux et être profondément libre. Libre d'aimer, libre de pardonner, libre de témoigner. Et ça, c'est... ça nous bouleverse à chaque fois quand on voit ces hommes accéder à la liberté intérieure. Je pense que la religion rend moins seul, crée des liens et des contacts qu'il n'avait peut-être pas forcément toutes ses sorties auparavant. C'est peut-être pour ça qu'il n'avait jamais changé finalement avant. Et ça m'a permis de me rendre compte que oui, tout le monde peut changer en fait, si on s'en donne la peine et si on est bien entouré surtout. Il est heureux. C'est la seule chose qu'on veut pour ses enfants. Donc là, je sais qu'il est heureux maintenant. Même si je lui dis pas, je suis très très fière de lui. The chains have come off. The bonds are being forged again. Gwenaël's family is rediscovering him. Parfois, les moments sont assez longs parce que on ne sait pas trop quoi se dire. Mais on est ensemble et ça nourrit suffisamment pour libérer la parole par la suite. Mais ce qui est bien avec notre Seigneur Jésus-Christ, on a cette liberté intérieure qui nous permet de supporter cette incarcération. Moi, personnellement, je me dis toujours, j'ai la chance de l'avoir. C'est lui qui me dirige et c'est lui qui me construit chaque jour, chaque instant. Mon espérance par rapport aux jeunes, c'est de croire que si on a un cœur ouvert à leur présence, à leurs difficultés, à ce qu'ils peuvent vivre, y compris les pires choses, le fait de les écouter et qu'ils puissent rencontrer un regard bienveillant et espérant, alors il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir en eux. Moi, je suis sûr que c'est ce dont ils ont le plus besoin. Voilà, qu'ils puissent rencontrer des gens qui les aiment tout simplement, hein, qui les accueillent avec ce qu'ils sont et qui espèrent en eux. C'est bien ça, en tout cas, me semble, l'appel que le Seigneur nous fait auprès de ceux que nous pouvons rencontrer. Moi, j'ai un espoir, j'ai un peu une vision ou un rêve. C'est de voir des anciens détenus prendre le micro dans les églises, dans les cultes, dans les messes et témoigner de ce qu'ils ont vécu. Et je rêve de voir des paroissiens totalement éberlués de ce que Dieu peut faire en prison. D'être éberlué du courage aussi de ces anciens détenus, de témoigner de Dieu, de Jésus, de témoigner ouvertement de ce qu'il a fait dans leur vie. Et mon rêve, c'est que les familles de ces détenus qui ont vu cette transformation, cette libération, soient sur ces bancs d'église pour accompagner leurs membres de leur famille qui, une fois, étaient en prison et maintenant est libérée.